La Banque centrale du Congo rappelle l'obligation pour les cambistes de respecter la réglementation interdisant tout affichage public du taux d'échange, tout en soulignant que l'économie congolaise demeure globalement stable, ce en dépit des quelques tensions observées sur le marché des biens et services. Vous entendrez la gouverneure de la BCC tout à l'heure qui a fait le point sur la conjoncture économique. Augustin Matata Ponyo est attendu au parquet général près la Cour constitutionnelle ce mercredi 12 juillet 2023. Un mandat de comparution lui a été adressé le lundi dernier pour détournement des fonds destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Un juriste interrogé à ce sujet par nos reporters assure que la loi n'épargne guère un ancien chef du gouvernement. Les détails à suivre dans ce journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. La conférence de presse du ministère de la Communication et Médias de lundi 10 juillet a connu la participation du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et du vice-ministre de la Santé. Elle a tablé sur plusieurs questions, entre autres celle du prétendu trafic d'organes faisant suite au phénomène kidnapping dans la ville de Kinshasa. Ce dernier a souligné la fausseté de l'existence de ce trafic pour la simple raison que la conservation d'organes nécessite un des certains de nombre des conditions spécifiques qui, pour le cas, ne peuvent pas être réunies par ces kidnappeurs. Les Kinois vivent de plus en plus dans la peur au ventre depuis la montée en puissance de ces phénomènes kidnapping qui seraient à la base d'un prétendu trafic d'organes des êtres humains. Sur la question, le vice-ministre de la Santé, convoqué au cours de la traditionnelle conférence de presse hebdomadaire, a rejeté en un revers de main ces allégations qu'il qualifie d'irréalisables. C'est après les avoir scientifiquement prouvées. Il faut des conditions pour conserver les organes. Déjà, quand je parle de cœur qui ne peut vivre que 4 heures, et pour retirer le cœur, en parlant justement de l'infrastructure, il y a ce qu'on appelle la circulation extracorporelle. On vide votre corps de sang. On met une machine qui remplace votre cœur pendant qu'on est en train de vous opérer. Ce n'est pas possible. Et non seulement quand on a privé, il faut des conditions, des conteneurs spéciaux. Une thèse qui a très vite croisé la préoccupation du ministre de l'Intérieur qui paraphrase ici l'intervention du vice-ministre. J'ai compris les explications de notre collègue. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. C'est soit on tue les gens à les mutilant, ce qui est différent du trafic des organes, d'organes, comme on dit. Les docteurs expliquent que si c'est, il y aurait un des marchés, puisqu'il s'agirait d'un marché, prélever l'organe sur le corps de quelqu'un à les vendre, on n'atteindrait pas cet objectif dans les conditions actuelles. Signalant que ces orateurs ont appelé les professionnels des médias de véhiculer des informations fiables en vue d'étouffer cette campagne de désinformation sur ces phénomènes. Au cours de cette même conférence de presse, la préoccupation sur la présence déplorée des agents du ministère de l'Intérieur par la CENI a été évoquée. Répondant à cette préoccupation, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, est revenu sur les raisons justificatives de la présence de ces agents au sein des différents bureaux de réception et traitement des candidatures. Parmi elles figurent la mobilisation et l'encadrement des recettes générées par les dépôts de candidatures par ces agents. Écoutons Peter. C'est mon ministère à travers son secrétariat général chargé des questions des partis politiques. C'est comme ça que mon secrétaire général, en vertu de la loi des finances, qui l'oblige à mobiliser et à encadrer les recettes, a déployé des gens avec un ordre de mission clair, l'encadrement des recettes générées par les dépôts des candidats. Ce qui fait que tout citoyen respectueux des lois de son pays
et surtout les citoyens qui veulent de la transparence en matière financière, ne peut pas s'opposer. Dans l'ordre d'émission remis aux agents de mon ministère, nulle part n'est indiqué qu'il faut aller là-bas réceptionner les candidatures. C'est aller vérifier comment l'argent est payé et comment l'argent est orienté vers la caisse du trésor. Et c'est malheureux que la CENI ait agi par émotion. Mesdames et messieurs, sachez également que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a lancé le lundi 10 juillet 2023 les travaux de construction et d'équipement de l'aérogare de l'aéroport de Kananga dans la province du Kasaï central. Une action du gouvernement central qui s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale qui consiste à développer et moderniser les infrastructures aéroportuaires de la République démocratique du Congo. Le travaux de construction de cet aérogare, qui constitue la troisième étape après Kolwezi dans le Lualaba et Mbujimayi Kasai-Oriental, s'inscrivent dans la politique du gouvernement central qui vise à développer et moderniser les infrastructures aéroportuaires. Ici, l'objectif est de permettre à l'aéroport de Kananga de répondre aux normes exigées. Les travaux de construction de cet aérogare ont été lancés par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Peter Kazadi, en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre des Transports, quelques conseillers du président de la République, le directeur général de la RVA, Alphonse Chungu, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Marc Ekila, et le gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabeyashikai. Cet édifice va couvrir une superficie de 7600 m² avec une capacité annuelle d'accueil d'environ 750 passagers à l'horizon 2035. C'est la société Moderne Construction qui a été choisie pour exécuter les travaux, dont le coût global s'élève à 32 594 423 dollars américains pour une durée estimative de travaux de 688 jours, soit 22 mois. Il s'est signalé que l'aéroport de Kananga, chef-lieu du Kasaï central, a été construit depuis 1953. Voilà, je l'ai dit au sommaire de ce journal, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi, a fait le point de la conjoncture économique du pays au cours du dernier conseil des ministres. Elle a signifié que la BCC a rappelé l'obligation pour les cambistes de respecter la réglementation interdisant tout affichage public du taux d'échange, tout en soulignant que l'économie congolaise est demeurée globalement stable en dépit de quelques tensions observées sur le marché des biens et services. Suivez. Dans son rapport, il est signifié que au cours de la dernière semaine du mois de juin 2023, l'inflation est ressortie à 0,59% contre 0,24% réalisé la semaine précédente. Ces niveaux d'inflation obtiennent de l'évolution des prix dans les principales fonctions des consommations, notamment les produits alimentaires et boissons non alcoolisées, mais aussi dans le logement, l'eau, ou le gaz, l'électricité et autres combustibles, mais également le transport. Il s'est également observé une tendance à l'accélération des prix dans les principales villes du pays, tels que Kinshasa, Lubumbashi et Goma. Parlant du marché d'échange, au 29 juin dernier, les taux d'échange indicatifs s'est établi à 2411 francs congolais de dollars américains, enregistrant une tendance à la dépréciation par rapport à la semaine précédente. La même tendance a été également observée sur les marchés parallèles, établissant les taux d'échange à 2427,5 francs congolais pour un dollar américain. Quant au C, il a été rappelé les mesures prises le 19 juin dernier, notamment le rehaussement du taux directeur de la BCC et du coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts à vue en francs congolais en vue de réduire les pressions exercées par la liquidité excédentaire sur les prix des biens et les taux d'échange. Face à la montée de la spéculation, l'obligation pour les bureaux d'échange et les cambistes émanuels personnes physiques de respecter scrupuleusement la réglementation dictée par la Banque centrale du Congo, particulièrement celle interdisant tout affichage public du taux d'échange. Le directeur général de la Société nationale de l'électricité, Fabrice Luzinde, traite actuellement une sollicitation de la République démocratique du Congo autour de la réception des 100 MW d'électricité en vue de soutenir sur le plan énergétique deux activités majeures qui se tiendront à Brazzaville dans les jours à venir, à savoir FISPAM et les sommets des trois bassins. Grâce Luyanga nous en dit plus. En marge de cette 73e année des partenariats RDC Congo-Brazzaville dans le secteur de l'électricité, le directeur général de la SNEL SA, Fabrice Lucende, est à la tête d'un groupe d'experts de la RDC qui traite de la sollicitation du Congo-Brazzaville de recevoir 100 MW d'électricité à l'occasion du FESPAM et du sommet des trois bassins qui se tiendront à Brazzaville dans quelques jours.
Les travaux ont été ouverts par les directeurs des cabinets de deux ministres en charge de l'électricité et s'étaleront sur 3 jours et les conclusions seront présentées à Olivier Mouindié-Moukalenk, ministre des Ressources hydrauliques et électricité de la République démocratique du Congo. Une visite a été organisée en faveur de la délégation brazzavilloise au poste de Kintsuka où les détails techniques ont été avancés par les ingénieurs à pied d'œuvre. Les dits projets est actuellement à 84% de réalisation. À l'occasion du 100e anniversaire de l'institution de Kinshasa comme ville, une conférence a été organisée le week-end dernier par une ASBL appelée Le Kinois autour principalement de la défense des intérêts et valeurs de cette ville, mais aussi son développement sous plusieurs aspects. Fulgence Mila et Dieu Manana pour le reportage. Au cours de cette conférence, plusieurs questions ont été abordées. L'État congolais a été parallèlement appelé à s'investir davantage pour le bien-être quotidien de Kinois en général, et particulièrement de la jeunesse, qui face à la précarité, s'inverse de plus en plus dans la criminalité. De donner la famille son rôle, mais c'est le rôle de la famille qui peut reprendre s'il y a une action économique pour restaurer la capacité économique de parole, pour lutter contre la pauvreté, lutter contre le chômage. Vous pouvez imaginer que le chômage des jeunes, même de diplômés, est élevé et il faut donc travailler sur la jeunesse, travailler sur la formation professionnelle. Cette désarticulation scolaire classique, mais il faut travailler aussi sur la police, donner des moyens, travailler sur le ministère de la jeunesse pour avoir des centres de formation, travailler sur la justice avec une justice spécialisée, pas simplement exécutive, mais capable de donner des réponses cohérentes. Donc c'est une interpellation que nous avons tous en termes d'État et en termes aussi de citoyenneté. Les Kinois sont également invités à maintenir sa libre la capitale. Nous mettons actuellement en parle du plastique comme ressource, comme quelque chose qui peut être recyclé. À vrai dire, il ne pose pas vraiment le problème parce qu'il y a des solutions pour le plastique. Si on tient exactement à l'éradiquer, alors ça va être un long processus. Je ne sais pas vous donner le temps, ça dépendra des méthodes mises en place, des alternatives, comment les Congolais vont s'approprier de tous ces moyens alternatifs pour que, voilà, que ça marche. Mais actuellement, le plastique a une filière qu'on peut valoriser et faire avec. Sur le 1er juillet 1923, que la ville de Kinshasa a obtenu la fonction de centre administratif assumé, jusque-là par la ville de Boma, après la mise en application d'un arrêté royal. À cette époque, Léopoldville est confinée aux communes de Kintambo et de la Gombe, actuelles, développées autour de la baie de Ngaliema. Ensuite, apparurent les communes de Kinshasa, de Barumbu et de Lingwala, et là continue à s'étendre jusqu'à avoir 24 communes actuellement. La Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises salue l'appel des autorités à l'intention des entrepreneurs portant sur la formalisation de leurs activités. Elle a invité ce mardi les entrepreneurs à s'y formaliser pour notamment accompagner le développement du pays. Et cette structure s'est dit prête à accompagner les jeunes entrepreneurs pour l'obtention des documents adaptés. Que nous sommes heureux que les chefs de l'État aient évoqué la question de la formalisation des entreprises. C'est une question qui nous tient à cœur. C'est la Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises et dans l'objet social de la COPEMECO, nous avons aussi la sensibilisation et la vulgarisation des textes légaux ou les textes réglementaires. Et la COPEMECO, pour déjà être membre de la COPEMECO, il faut être formel. Il faut avoir le RSSM, il faut avoir les numéros d'impôt, il faut avoir un siège social. Et tout ça, ça fait partie du travail que nous faisons auprès des personnes qui sont dans l'informel pour qu'ils viennent au sein de cette structure d'encadrement partenaire du gouvernement, parce que nous participons à la politique économique du gouvernement. Nous sommes là, effectivement, pour sensibiliser les entrepreneurs qui sont dans l'informel pour qu'ils viennent. Nous avons cette possibilité de les accompagner, parfois même gratuitement, pour qu'ils puissent être formels. Et c'est dans les formels que nous travaillons, nous, la COPEMECO, et nous encourageons d'ailleurs tous les entrepreneurs congolais. Si nous voulons avoir une communauté des hommes d'affaires sérieux, il faut travailler dans les formels. Vous êtes sécurisé quand vous travaillez dans les formels. Vous êtes hors des tracasseries quand vous travaillez dans les formels.
Et nous pensons que la COPEMECO remplit son rôle des structures d'encadrement des entrepreneurs pour qu'ils puissent remplir aussi leur rôle, rester des entreprises citoyennes qui contribuent aussi au budget et dans les finances publiques de l'État congolais. Après le mandat de comparution lancé à l'endroit de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo par le procureur général près la Cour constitutionnelle, un juriste a accordé une interview à Ecofin Télévision. Il assure que la loi n'épargne guère un ancien chef du gouvernement. Le fait qu'il est actuellement sénateur et que le bureau du Sénat l'a mis à la disposition de la justice, il peut donc être poursuivi. Il n'y a aucun texte qui prévoit une juridiction en raison du privilège que jurait un ancien Premier ministre. Ce qui fait qu'en principe, M. Matata Ponyo, s'il était, après avoir été Premier ministre, s'il était un citoyen comme tout le monde, il devait être poursuivi devant le juge, devant son juge naturel, qui serait, d'après le fait, puisque le fait qu'on lui reproche va au-delà de 5 ans, qui serait le juge du tribunal de grande instance. Mais puisque, à l'heure actuelle, M. Matata est sénateur, les poursuites doivent être engagées comme étant en considération de sa qualité de sénateur. Les immunités d'exécution et même les privilèges de juridiction s'apprécient non au moment de la commission de faits, mais au moment des poursuites. C'est lorsqu'on poursuit la personne qu'on tient compte de sa qualité. Et à ce jour, lorsqu'on poursuit Matata n'est pas Premier ministre. Comme ancien Premier ministre, oui, mais quel est le texte qui dit qu'un ancien Premier ministre doit être jugé devant tel juge? Il n'y a aucun texte qui l'ait dit. Pourtant, il est sénateur et il doit être poursuivi comme sénateur. Pour être poursuivi comme sénateur, il faut saisir sa chambre, la chambre dans laquelle il siège, et que cette chambre autorise le poursuite afin de continuer la procédure comme il se doit. Il a commis des faits comme Premier ministre. Et aujourd'hui, il est poursuivi en étant sénateur. Et pour terminer, la drépanocytose, appelée autrement anémie falciforme, exige des coûts exorbitants pour sa prise en charge. C'est un médecin spécialiste de la maladie qui l'a révélé le mardi 11 juillet. Sur ce, il a appelé à l'implication particulière de l'autorité publique afin de mettre en place un fonds de soutien pour venir en aide aux multiples patients désœuvrés. Très présente dans notre société, la drépanocytose est une maladie génétique caractérisée par l'insuffisance des globules rouges. Par l'incurabilité de cette maladie, la vie des patients qui en souffrent ne tient que des médicaments qui malheureusement coûtent énormément cher. Docteur Victorine Ngualo, spécialiste de la maladie à l'hôpital Mabanga, s'étale ici sur les différents frais engagés pour sa prise en charge et consécutivement appelle à l'implication de l'autorité publique. Il y a plusieurs étapes. La première chose, il faudra d'abord confirmer le diagnostic. Puis, il y a ce que nous appelons les règles d'or, donc des conseils qu'on donne aux malades pour qu'ils se connaissent et se prendre mieux en charge. Alors, le traitement des fonds maintenant consiste à vacciner les malades parce que nous avons des vaccins spécifiques. Nous faisons des échanges transfusionnels, mais en réalité, le traitement des fonds est fonction de cas par cas, parce que tous les malades ne présentent pas les mêmes tableaux. Il y a aussi des médicaments que nous donnons, parfois pour éviter les risques, ou soit chez les malades qui sont déjà en danger, pour éviter maintenant une récidive, on peut les mettre sous un traitement à long cours. Vivre avec la drépanocytose, ce n'est pas une chose facile. Là, on ne peut pas se cacher des mots. Ce n'est pas facile. Et il y a des médicaments que les malades prennent à vie. Avec cette maladie, il y a ce que nous disons la morbidité excessive. Ce sont des enfants qui sont tout le temps malades. Alors là, maintenant, ça influe sur les coûts de la prise en charge. Les coûts vers 2021, était calculé entre 500 à 1500 dollars. Là, c'est en dehors vraiment de toute complication. Mais quand les malades présentent une complication, là, on peut même aller au-delà. Parce que la moyenne pour les complications, là, c'est autour de 1800 dollars. La République démocratique du Congo est le deuxième pays le plus touché par cette maladie en Afrique après le Nigeria. Passe à présent à la revue de presse avec Fulgence Milay. «
Bienvenue dans cette revue de presse sur votre chaîne Ecofin Télévision. À la ligne, Forum des As qui écrit dans sa page numéro 7, ouverture des conférences budgétaires et exercice 2024 à Kinshasa. Les gouvernements entendent élaborer un budget réaliste en harmonie avec les programmes économiques conclus avec les FMI. Le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumana Maposo, a donné hier à Kinshasa les coups d'envoi des travaux des conférences budgétaires exercice 2024. Le vice-ministre souhaite voir ces assises qui se tiennent du 10 au 21 juillet aboutir impérativement à l'élaboration d'un budget réaliste en phase avec les programmes économiques conclus avec les Fonds monétaires internationaux, preuve du respect des engagements du gouvernement. Cette loi des finances 2024 doit être le reflet de la politique gouvernementale. Dans son discours d'ouverture, le vice-ministre du budget a signifié que les conférences budgétaires 2024 offrent un cadre de discussion autour des prévisions budgétaires élaborées par les services. Ceci, a-t-il dit, afin de s'assurer de la cohérence des actions des politiques publiques prévues avec les politiques contenues dans les cadres budgétaires à moyen terme dans le respect de la contrainte budgétaire. C'est dans cette optique qu'elle a affirmé que les conférences budgétaires sont une étape décisive du processus d'élaboration du budget inscrit dans les calendriers budgétaires. C'est l'occasion pour les gouvernements de traduire, à travers les lignes budgétaires élaborées par les sectoriels, son programme d'action afin d'atteindre les objectifs socio-économiques fixés en étroite ligne avec la vision du président de la République, a martelé les vice-ministres du budget. Le journal souligne un budget en harmonie avec les FMI. Pour les gouvernements, la tenue des conférences budgétaires 2024 qui intervient 3 jours après les conférences de performance 2024 doit impérativement aboutir à l'élaboration d'un budget réaliste en harmonie avec les programmes économiques conclus avec les FMI dont la 4e revue venait d'être validée par son conseil d'administration, ce qui sera la preuve du respect des engagements du gouvernement. Ce budget doit être le reflet de la politique gouvernementale, a ajouté le vice-ministre du budget. C'est dans cette perspective que les chefs d'équipe de chaque groupe du travail de ces conférences ont été appelés à la vigilance pour garantir la clarté des programmes d'action du gouvernement par les besoins des services exprimés. Par la même occasion, Élisée Bokoumana a rappelé la ferme volonté du gouvernement de la République de déposer les projets de loi des finances de l'exercice 2024 au bureau de l'Assemblée nationale avant le 15 septembre de l'année en cours, conformément à la Constitution. Cette revue se boucle avec les groupes L'Avenir qui, dans sa page numéro 4, écrit « Epesté Samalou Kondé lance officiellement l'outil numérique des suivis de l'effectivité de la paix des enseignants ». À l'ère où le numérique prend les contrôles de tout, le professeur Tony Mwabakazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, révolutionne sous son secteur. C'est lundi 10 juillet, une grande cérémonie sur la présentation de l'outil numérique des suivis de l'effectivité de la paix des enseignants sur le terrain a eu lieu au Fleuve Congo Hotel de Kinshasa en présence de partenaires éducatifs au des hauts cadres du pays et des sous-secteurs de l'éducation. Chef du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé cette cérémonie solennelle de la plantation de ces logiciels développés par la DINACOP qui dorénavant permettra à l'enseignant de suivre les mouvements relatifs à son traitement financier. Dans sa prise de parole, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a exprimé son satisfaction suite à cette innovation et a encouragé le ministre Tony Mwabakazadi pour ses efforts innombrables. Il s'est dénoté qu'il y a un mois, le ministère de l'EPST avait lancé l'application de géolocalisation des écoles de toute l'étendue de la République, une cérémonie présidée par les vice-premiers ministres en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Fin de cette revue de presse sur votre chaîne, merci de l'avoir suivi et surtout, restez avec nous. Avant de nous quitter, voici tout de suite le rappel des titres. La Banque centrale du Congo rappelle l'obligation pour les cambistes de respecter la réglementation interdisant tout affichage public du taux d'échange, tout en soulignant que l'économie congolaise demeure globalement stable, ce en dépit de quelques tensions observées sur le marché des biens et services. Vous avez entendu la gouverneure de la BCC tout à l'heure qui a fait le point sur la conjoncture économique. Augustin Matata Ponyo est attendu au parquet général près la Cour constitutionnelle ce mercredi 12 juillet 2023. Un mandat de comparution lui a été adressé le lundi dernier pour détournement des fonds destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Un juriste interrogé à ce sujet par nos reporters assure que la loi n'épargne guère
un ancien chef du gouvernement. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différentes plateformes. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minière, pétrolière et environnementale. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.